walking it slow. Somebody show me the ropes, babe. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tenue back to school, tout ça, tout ça. Donc on va faire des tenues avec vous. Donc aujourd'hui, on est derrière notre armoire. Donc, elle est assez grande quand même. Hein. Ouais, il y a plein de choses. S'il y a des vêtements, il y en a jusqu'à là-bas. Donc il y en a beaucoup. Et ouais. Encore, on a aussi des armoires, des vestes et tout. Et il y a des vestes. Le temps en bas comme ça. Donc voilà, donc on avait déjà fait une vidéo conseil l'année dernière, donc cette année on va pas trop donner de conseils, ouais. Hein. Donc à part c'est juste tenue et on vous cherche avec nous, voilà. À part les simples genre habillez-vous simplement, pas originalité, voilà, sortez pas trop de votre zone de confort parce qu'il faut que vous soyez à l'aise et tout, hein. Moi c'est tout, voilà. Et après c'est la rentrée, il y a d'autres jours pour, pour être bien habillé, voilà. Donc voilà, c'est tout. Mm-hmm. Donc première tenue, c'est... Ouais. Donc pour moi la première tenue ça aurait été un jean assez spécial puisque c'est Iris qui l'a fait. Ouais, franchement elle est confiante. C'est lui, un jean assez spécial. Délavé un peu. Un peu délavé. Comme ça. Bon, vous les aurez portés. Hein. Ouais. Mais il est vraiment trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Bref, voilà. Je vais reporter ça avec un t-shirt parce qu'il fait pas froid. Mais ça commence. Donc on sait jamais. Donc avec un t-shirt. Un t-shirt en laine. Alors, on ne voit pas. Mais j'arrive. Ça va. Assez chez Uniqlo, donc il est assez épais mais ça va parce que c'est un t-shirt mâche court. Mâche court, ouais. Voilà, et il y a encore l'étiquette, mais il est plutôt quali. Voilà, et tout ça avec, je sais pas, des verres forts, noir ou blanche. Je sais pas, plutôt Jordan, hein. Ouais, Jordan bleu, ça fait là. Je sais pas, non, j'aurais mieux, enfin plutôt j'aurais mieux vu une paire de chaussures courtes. Enfin, basse plutôt. Mais je sais pas, hein. Faites avec ce que vous avez. Là, il y a des couleurs. Il y a bleu, blanc. Vous pouvez rajouter du noir et tout ça. Ou une paire de chaussures orange. Ah ouais, comme notre. Vapor Max blanche et orange. Ouais. Je trouve ça pète bien avec le bleu. Et voilà, après, vous accessorisez comme vous voulez avec des colis. Ouais, tout ça, tout ça. Mm-hmm. Voilà, donc c'est tout pour ma première tenue. On va vous mettre les close-up. Ouais. Juste à côté. Donc maintenant c'est à mon tour. Ouais. Ok. Alors première tenue, moi je veux plutôt mettre une robe. Alors la robe elle est là. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais c'est une robe en satin. Je n'est pas sûr. Voilà, hein. Avec comme ça. Elle est assez longue. Avec un haut mâche longue. je l'ai mis. Haut. Avec un col rond comme ça, c'est un haut petit bateau simple, comme ça, avec soit les Docs Martin, soit paire de baskets, hein. Converse, montante noire avec un beau make-up, tout ça. Franchement je vois bien. Et puis un sac, mon meilleur sac que Inès m'a acheté. Et voilà quoi, franchement, je kiffe la tenue. Voilà. Deuxième. Et on fera encore, il nous en reste encore deux chacun. Ouais, on en tout. Hein. Ensuite pour deuxième tenue, franchement, ceux qui me connaissent, ils savent que je porte pas trop de leggings. Mais ce leggings, c'est un peu spécial, ça change. Et je l'avais vu en version jean. Enfin, normalement, je vous l'ai déjà présenté dans le haut de Zara qu'on avait fait à la fin du confinement. C'est ce leggings-là. Genre, il est coupé à la fin. Le leggings. Et on l'a aussi en version jean. Mais franchement, je me dis, leggings, c'est bien. Ça va être confortable et tout dedans, et c'est pas transparent, enfin la matière n'est pas transparente, elle est assez épaisse. Ah, il dit ça. Donc voilà, je me dis, rentrer, être confortable, c'est cool. Donc avec haut, pour haut, bah,
dis un crop top, hein. Ouais. S'il fait chaud, pourquoi pas un crop top? Parce que le bas est simple, simple, tu peux pas faire plus simple. Donc par contre là, je me suis dit crop top, s'il fait encore chaud, c'est cool. Donc là par contre j'ai hésité parce que je savais pas trop avec quoi mettre. Mais je me dis blanc et noir, c'est ça passe. C'est la base. Mais bon, on sait jamais parce qu'en vrai il y a beaucoup de filles qui aiment bien les total look noirs à la rentrée. Donc je me suis dit pourquoi pas avec ce top là aussi acheté pendant après le confinement avec comme ça front, ouais, ça comme ça. Ouais. C'est trop beau, ça retombe bien, c'est trop beau et ce détail c'est ça qui change de tout. Donc en débardeur s'il fait vraiment chaud ce jour-là. Donc ça, si c'est total look noir et si c'est un total look blanc et il fait pas un peu plus chaud. C'est le même mais en blanc. Par contre là il est pas repassé, hein. Je viens de tirer du l'armoire et avec les mêmes détails en blanc il est trop beau. Ouais, franchement voilà. On a porté tout l'été. Il y a le même en bleu, en marron et en blanc. Ouais. Et en noir aussi. Ou sinon si c'est vous, si vous l'avez pas en France, c'est un t-shirt simple, hein. crop top simple. Et voilà. C'est tout donc pour moi et ça avec un peu plus master et sinon on peut avoir ça ou Jordan. Si vous n'avez pas exactement les mêmes items, les mêmes vêtements, vous faites ça avec vous.